Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus prépare ses disciples à être des disciples, à venir à sa suite. La toute première phase, Jésus fixa son regard sur ses disciples. Donc, Jésus, il regarde et il parle. Donc, c'est un regard très, très personnel. Et c'est un regard plein d'amour avec lequel il adresse maintenant les paroles suivantes. Il dit « Heureux êtes-vous les pauvres pour le royaume des cieux ». Alors nous tous, nous voulons être reconnus, nous voulons être bons, nous voulons être encouragés par des personnes. Et combien de mal est-ce que nous avons si on ne nous reconnaît pas? Et dans les dernières années, j'ai appris à ne plus m'attendre quelque chose des gens, mais à m'attendre quelque chose de Dieu et toujours davantage de Dieu. Et Jésus dit, « Heureux êtes-vous lorsque les gens vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent de leur communauté et lorsqu'ils vous calomnient à cause du Fils de l'homme. » Chers frères et sœurs, Jésus, il ne veut pas que nous soyons déçus. Et si nous attendons beaucoup d'autres personnes, il y aura la déception. Mais si nous sommes près de Jésus, nous ne serons jamais déçus, puisque Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et dans tous les temps. Il est fidèle dans son amour. Et son amour pour nous, il ne va pas s'arrêter. Il va en grandissant. Et voilà notre bonheur, un bonheur que je souhaite et pour lequel je prie pour chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à nous tous une bonne et une sainte journée.